Chers amis, aujourd'hui je vous invite à vous unir à moi dans un moment de prière intense et profond. Il est dit dans les Écritures que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et en ce moment, peu importe où vous êtes, nous sommes réunis dans l'esprit et dans la foi. Il y a des moments dans nos vies où nous nous réveillons au milieu de la nuit, souvent à des heures improbables, comme 3 heures du matin. Ces moments peuvent être empreints de silence, mais aussi d'une étrange sensation de vulnérabilité. Cependant, c'est aussi un moment parfait pour entrer en communion avec Dieu, pour chercher sa face et invoquer sa protection. Alors que nous nous préparons à cette prière puissante, souvenons-nous que notre Dieu est un refuge et une forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46:1. Nous allons demander sa protection divine, sa paix qui surpasse toute intelligence, et sa présence rassurante pour veiller sur nous et nos foyers. Prenons un instant pour nous recentrer, respirer profondément et ouvrir nos cœurs à l'infinie bonté et à la miséricorde de notre Seigneur. Que cette prière soit une source de force, de réconfort et de protection pour chacun de nous. Ensemble, élevons nos voix et nos cœurs vers le ciel. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi en ce moment de la nuit, à cette heure où les ténèbres semblent plus profondes, mais où ta lumière brille encore plus fort. Je te remercie pour ta présence constante et ta protection sur ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je choisis de demeurer sous ton abri, de me reposer à l'ombre de tes ailes. Tu es mon refuge et ma forteresse, et en toi je mets ma confiance. Je te demande de me couvrir de ta protection divine alors que je traverse cette nuit. » Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Père céleste, je prie pour que tes anges soient autour de moi, veillant sur moi et me protégeant de tout danger. Je prie que tu envoies tes anges pour me porter, pour que je ne trébuche pas dans l'obscurité. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Seigneur, je déclare que toute arme formée contre moi ne prospérera pas. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi en jugement. Je revendique cette promesse pour ma vie et je me tiens sur ta parole qui est vraie et puissante. 2 Timothée 1:7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu, je refuse de vivre dans la peur ou l'inquiétude. Tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je choisis de marcher dans cette puissance, dans cet amour et dans cette sagesse que tu m'as accordée. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je déclare que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence me réconforte et me rassure. Ta houlette et ton bâton me donnent la sécurité et la paix. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur, tu es mon gardien. Tu es mon ombre protectrice à ma main droite. Ni le soleil, ni la lune ne me frapperont. Tu me gardes de tout mal. Tu protèges mon âme. Tu veilles sur mes allées et venues dès maintenant et à jamais. Père, alors que je me tiens devant toi à cette heure,
je te demande de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie et de ta protection. Que ta présence m'entoure et me donne la tranquillité. Que tes anges veillent sur moi et que ta main puissante soit sur moi. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta protection. Je me repose en toi et je m'endors en paix, sachant que tu veilles sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de cette prière puissante, souvenons-nous que notre Dieu est toujours avec nous. Il est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons invoqué sa protection, sa paix et sa présence en cette heure, et nous savons qu'il nous entend. Que cette prière continue de résonner dans nos cœurs et nos esprits alors que nous retournons à nos activités quotidiennes. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que vous soyez remplis de sa force, de son amour et de sa sagesse dans chaque aspect de votre vie. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Chaque fois que vous vous sentez accablé ou que vous avez besoin de réconfort, revenez à cette prière et à ses promesses divines. Dieu est fidèle et il veille sur vous à chaque instant. Je vous encourage à rester connecté à notre communauté, à partager vos témoignages et à soutenir les uns les autres dans la prière. Ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous protège et vous guide chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.